Morgan Aleiden. Les tutors aujourd'hui, les Lunish Matrivka, Batsara, Rachel, Rachel, Batsara, Peggy, Batester, Lisa, Aliza, Batfrecha, Zara, Batmazel Toshi. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perek Gimel, Mishnah Gimel. ואלו הן הפסולין, המשחק בקוביה והמלווה בריבית ומפריחי יונים, וסוחרי שביעית, אמר בשמעון בתחילה יוקורין, אותן אוספי שביעית, משרבו האנסים, חזרו לקרותן סוחרי שביעית. אמר רבי יהודה, מתי בזמן שאין להם אומנות, אלא היא, אבל יש להם אומנות שלא היא כשרין. On parle dans notre Mishnah des gens inaptes à juger et à témoigner en même temps. C'est ce qu'on appelle les gens psoulin, inaptes. Ils font des averot, comme on va voir. Donc il y aura à la fin du... Je vous annonce la couleur tout de suite. On va expliquer la Mishnah et puis à la fin, le dernier Bartenora, ça va faire quand même deux Mishnah en arrière, mais ça ira quand même plus vite aujourd'hui. Le Bartenora va nous faire une petite conclusion, une petite synthèse, il khatit, des points importants à connaître de toute sa halakhot. En tout cas, on commence en nom traduit. Ve'eloen absolin. Voici les gens inaptes, non valides, pour juger et témoigner en même temps. Amesachek bekubia, celui qui joue au dé, 421. Ve'amalve beribit, celui qui prête l'argent avec intérêt. Ou mafriche yonim, ceux qui font envoler les oiseaux, voler ou envoler, comme on expliquera. Vesoharei shvi'it, et ceux qui vendent les fruits de l'année de la Shemitah, de la Shvi'it, de la 7e année, l'année de Jachère de la Torah. De quoi on parle exactement? C'est un petit peu, ça manque d'ordre, hein, mais chacun, le premier et le troisième cas c'est la même chose, le deuxième cas c'est encore une autre histoire, et le quatrième cas c'est encore une autre histoire. On explique d'abord, Mesarek Bekobia, c'est celui qui joue au dé. De quoi on parle? On parle d'une personne que toute sa journée, comme au sentier, là, les gens avec les cartes, là, trouver la noire, trouver la rouge. Toute la journée, il fait son argent qu'avec des jeux. Quel est le problème d'une personne pareille? Il n'y a, d'un point de vue halakhique, pas de problème. C'est discuté dans la Gemara, est-ce qu'il y a un problème? Asmarta kanya lo kanya, dans ce cas précis. Conclusion de la Gemara, est qu'il n'y a pas de problème d'Asmarta kanya. On a déjà évoqué le principe d'Asmarta kanya. Le problème concrètement de ces gens-là est que ce ne sont pas des gens qui sont oskim veishuvo shel olam. Ils ne construisent pas le monde. Ils sont là d'être complètement passifs. Construire le monde, Bartholomew nous le dira, c'est soit étudier la Torah, faire du bien autour de soi, travailler, être quelqu'un qui travaille honnêtement, qui nourrit sa famille. Mais être quelqu'un de oisif, alors c'est quelqu'un de dangereux. Il peut facilement être soudoyé avec une petite enveloppe et se mettre à témoigner à tort, juger à tort. Il n'est pas quelqu'un de confiance. D'accord? Ça c'est le Mesachek Bekobia, celui qui joue aux cartes, à inclure là aussi toutes sortes de jeux d'argent. Sur ça, il y aura à la fin de la Mishnah, on n'a qu'à le lire tout de suite, histoire de donner un petit peu d'ordre. Amar Rabbi Yehuda enseigne, et matai bizan shenelem umanut elai. Uniquement lorsque c'est ça tout son business. Toute la journée, il ne fait que ça. Trouver la noire, trouver la rouge, 421, poker, bridge, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore comme autre jeu. Tous ces jeux-là d'argent, ou c'est ça son boulot. C'est ça, sa profession. Profession, c'est d'être quelqu'un d'oisif qui joue aux cartes. Alors dans ce cas-là, il sera inapte. Par contre, aval yesh lenu manut shelohi, s'il a un autre travail à part ça, soit il touche, il a son petit travail qui lui donne sa part dans ça, mais pour arrondir et faire des gros ronds autour de sa fin de mois, il joue aussi au poker. Alors quoi, aval yesh lenu manut shelohi, s'il a un autre travail à part ça, alors ils seront kshérin, ils seront kachers. Pour quelle raison? Étant donné qu'il n'y a pas d'action interdite en soi-même. C'est plutôt la oisiveté qu'il y a dedans et le fait de ne pas être au sec, de ne pas être quelqu'un qui construit le monde, c'est quelqu'un de dangereux. Alors, puisque c'est ça son problème, dans la mesure où il ne fait ça que dans son temps libre, tandis que dans le reste du temps, il travaille normalement, alors il sera kasher, puisqu'il n'y a pas d'avavira. D'accord? Autre halakha, malvé beribit. Celui qui prête avec intérêt à inclure celui qui prête et celui qui emprunte avec intérêt. Cette fois-ci, il transgresse un interdit de la Torah grave. Un interdit de la Torah, il y a dedans ce qu'on appelle du chimoud mammon. Pour pouvoir gagner plus d'argent, il est capable de se salir et transgresser un interdit de la Torah. C'est une faute très grave par rapport à sa crédibilité. Donc, vous imaginez bien, pour gagner un peu d'argent et être capable de transgresser un grave interdit de la Torah, prêter avec intérêt, c'est un grave interdit de la Torah, il faut savoir.
On en avait déjà parlé quand on était dans Baba Messia, Perek Ramchi, Maison Necher. Donc là, de nouveau, il est capable de transgresser un grave interdit pour de l'argent. On n'est pas à l'abri d'une personne pareille de se faire soudoyer et de recevoir des pots de vin, de se faire payer pour témoigner. On ne peut pas lui donner aucune crédibilité. Mafriche yonim, de quoi on parle? Littéralement, celui qui fait voler les oiseaux, envoler les oiseaux. Il y a deux, trois explications, deux qui tournent autour du même principe. C'est les champs de course. C'est le même principe que Messachik Bekoubia. Cette fois-ci, c'est qui faisait voler les oiseaux qui aillent le plus vite. On fait une course d'oiseaux, par exemple. Ou encore, il y en a qui expliquent on fait que deux oiseaux vont se battre. Ils vont se picorer jusqu'à qu'il y en a un qui va gagner l'autre. Ou il y a encore. Donc là, on reviendra au même problème de Messachik Bekoubia. C'est quelqu'un, il n'y a en soi-même pas d'interdit, mais le problème sera d'être oisif, ne pas avoir de travail. Et il y a une autre explication sur Mafriche Yomim, une toute autre explication, où cette fois-ci on parle de quelqu'un qui élève un oiseau pour aller chercher des autres oiseaux des voisins et les amener chez moi. Soit on a des pigeonniers, chacun on peut, d'accord, c'était fréquent à l'époque j'imagine. À la campagne, j'imagine que ça doit être encore, ça doit se trouver. Des gens qui élèvent des pigeons, ça se mange. Ouais, on mange plus tellement de pigeons à notre époque quand même. En tout cas, quand on mangeait des pigeons, à l'époque ça se faisait, on élevait des pigeonniers. Maintenant, il faut savoir, dans les pigeonniers, on n'a pas de propriété selon la Torah. Étant donné qu'on ne peut pas les saisir, ouais, si on les enferme en cage, on les garde, donc ils nous appartiennent. Mais si on a juste un pigeonnier où ils ont la possibilité de partir, sortir et revenir, ils aiment bien rentrer au bercail, moi je les nourris, ils sont gentils jusqu'au jour où je les égorge et je les mange. D'accord? C'est comme ça que ça se passait. Et concrètement, il n'y a pas de propriété sur ces oiseaux, étant donné qu'ils sont libres. Il y a Midrabanan Chamim, et Chamim ont instauré qu'on aura quand même une certaine propriété Midrabanan. Ce qui se passe, c'est que j'élève un oiseau pour partir charmer les autres oiseaux et venir dans mon pigeonnier. D'accord? Je suis un grand. J'ai un oiseau mafieux. Donc, c'est Mafriche Yonim. Et dans ce cas-là, je pense bien que c'est un interdit de voler Midrabanan. Alors là, de nouveau, donc on a, selon ça, on aura ouvert une nouvelle. Un nouveau cas de figure de Pasoul Laïdout, de personne inapte à témoigner ou à juger, ce sera celui qui vole Midrabanan. On aura donc le Messachik Bekoubia qui est oisif, Enosek Beishu Oshel Olam. On aura celui qui prête avec intérêt ou prête ou emprunte, le fait de transgresser un interdit où il y a dedans de l'argent. Il y a celui qui transgresse un interdit Midrabanan. Et il y a les Soharei Shvi'it. Là, c'est le même principe, de nouveau, c'est qui fait du commerce avec les fruits de Shvi'it, de la 7e année. Et alors là, ça retouchera au même cas, au cas de figure du Malvé Beribi, de celui qui prête avec intérêt, puisqu'il transgresse un interdit de la Torah, où il y a dedans un gain d'argent, donc on n'est pas à l'abri de lui. Le Barthénora nous fera une synthèse en élargissant bien plus l'éventail des types de gens inaptes à juger et à témoigner, et en apportant aussi, en explicitant les différences, on le fera à la fin de la Mishnah. D'accord, pour le moment, donc on les a tous conclus. Et il y a Rabbi Shimon qui vient et qui nous dit, Rabbi Shimon, Batechila, Hayo Korin, Otan, Osfei, Shvi'it. Au début, on appelait les Sochare Shvi'it, les gens inaptes à juger ou témoigner par rapport à la Shvi'it. On ne les appelait pas les Sochare Shvi'it, mais les Osfei Shvi'it. On ne les appelait pas les commerçants des fruits de Shvi'it, mais uniquement les Osfei Pirot Shvi'it. Ceux qui ramassaient, récoltaient les fruits de Shvi'it. Soit ceux qui s'amusaient à partir dans le champ et à ramasser toute la récolte et la stocker chez eux. Il y a en cela un interdit qu'il faut laisser la Shvi'it. On prend ce qu'on a le droit de prendre pour 1, 2, 3 repas, il y a de la chôte dans la Masechta Shvi'it. De quelle manière exactement? Combien prendre pour chacun? Pour une journée, des durées limitées, mais en tout cas on n'a pas le droit d'emmasser tous les fruits et de les stocker chez soi. Même si on n'a pas transgressé d'interdit au moment où on a élevé les fruits, on n'avait pas le droit de tous les ramasser. Alors là, il faut le laisser pour tout le monde, sinon ça prend une allure de strova. Donc on n'a pas le droit d'emmasser tous les fruits. Rabbi Shimon Ben nous enseigne, sachez que au début, ce n'était pas uniquement les commerçants de Shvi'it qui transgressaient, qu'on rendait inaptes à juger, mais c'était tous ceux qui ramassaient les fruits de Shvi'it. Par contre, il y a eu une période de l'histoire où Misherabu a Anassim, depuis le moment où les Anassim, les, je ne sais pas comment le traduire, les gros bras, c'est des gens délégués par le roi pour ramasser des impôts très fortement. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, pendant l'année de Juillet, ils avaient peur de se faire plumer par
cette personne qui venait ramasser les impôts. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait les frais de juif pour ensuite les lui refiler. Lorsque Chachamim ont vu ça, ils ont dit non, dans ce cas-là, celui qui ramasse tous les fruits de la juive pour les donner à cette personne-là, à ce Anas, à ce gros bras, alors Chachamim, ils ont dit non, dans ce cas-là, il ne sera pas inapte à juger, parce qu'il ne le fait pas, il ne se permet pas de transgresser simplement un interdit de la Torah, mais plutôt parce qu'il a besoin de tous ses fruits. Et voilà, et donc dans ce cas-là, Chazrou les Krotan et Socharejuit, ce n'est qu'après cette histoire-là qu'on a appelé les gens inaptes, Socharejuit, ceux qui font du commerce avec les fruits de Juit. D'accord ? Et donc là, maintenant, on a la fin de la Mishnah, on n'a qu'à la relire vite fait. Amar Biyudaï, Matai, Bizman, Chenlem, Oumanut, Elahi, Aveshlan, Oumanut, Sheloïk, Sherin, Rabbi Yehuda nous enseigne, il se rapporte maintenant sur les deux cas, le cas de celui qui joue au dé, ou encore de celui qui fait voler les oiseaux pour faire des compétitions d'oiseaux ou de gens de course. En nous disant, et ma taille, dans quel cas ils sont inaptes, uniquement, Bisman, Shahinaï, Momano, Telaï, lorsqu'ils n'ont pas d'autre travail, ils font que ça toute la journée. Par contre, s'ils ont un autre travail et qu'ils font ça dans leur temps libre, alors là, ils ne sont plus inaptes à juger, là, la règle sera fixée comme Rabbi Yehuda. Une grande règle, il faut savoir, chaque fois qu'il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Amma, c'est fréquent de trouver d'Adka, uniquement Rabbi Yehuda qui fait ça. Quelqu'un dit une chose, et Rabbi Yehuda vient nous dit, et ma taille, dans quel cas ça a été dit, ou bien, Bamed Varim Amourim. Et de manière générale, presque toujours, l'Alakha sera établie comme Rabbi Yehuda, parce qu'en réalité, il n'y aura pas de discussion. Il apporte une précision sur le premier avis, et l'avis sera tranché ensuite. On a fini la Mishnah. Alors, on va vite faire le Bartenora jusqu'à qu'on arrive alors au grand Bartenora qui nous fait la synthèse de l'Alakha, et on s'arrêtera et on reprendra, d'accord ? Ve'elouen Absolin. Quand je remarque le cours de... deux jours en arrière, qui faisait 38 minutes, qui a été regardé à 10 personnes le soir, je me dis, il faudrait vraiment passer à une méthode de 10 minutes, 12 minutes par cours, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a des Mishnayot, je suis obligé de les faire, c'est par devoir, je sais pas, je me permets pas de ne pas les faire, mais bon. L'Eloen Absolin, Ladun Olehaïd, voici les gens qui sont inaptes à juger et à témoigner. Hamesachek Bekoubia, celui qui joue au dé, Pasul Laïdout, il est inapte à juger, pourquoi? À témoigner. Les fichiers non mitasek Bishou Shalolam, car il n'a pas de rôle actif, positif, de construction du monde. Beishuvo shalom. Ouais, s'installer dans le monde, créer, faire un monde normal, de gens droits, de gens bien. La sur la dame shitasek beolamo. Et un homme n'a pas le droit de faire dans ce monde uniquement et là. O batora avec notre racisme, soit étudier la Torah et faire du chesed autour de soi. Ou bien faire du commerce. Être un artisan ou tout travail où il y a dedans un intérêt public, où on construit un monde, on fait un beau monde. Tandis que quoi? Tandis que cette personne qui est complètement oisif, alors il est passif et on est à l'abri, il n'a pas de crainte du ciel. Malve beribit, celui qui prête avec intérêt, le Bartholomew nous précise, et Chadolove et Chadolove, celui qui emprunte et celui qui prête. Shneem souligne, les deux sont non valides. De Kaimalan, Hamalve, Valore, Shneem, Ovrin, Belotase, car la Mishnah nous enseigne dans le Messia que celui qui prête comme celui qui emprunte les deux transgresse l'interdit de la Torah. Mafricheyonim, celui qui fait voler les oiseaux. Alors, it de mefanche, min mimine astechok. Il y en a qui expliquent que c'est une sorte de jeu d'argent. Im tek dimionatra, le yonati et tanecha karvekar. Si ton oiseau gagne le mien, je te donnerai tant et tant. 10 contre 1. Les id de mefarché, il y en a qui expliquent qu'on parle d'autre chose. Shemegadel yona, melumedet la vie yonim le bet balea baal kochan. Il éduque un oiseau qui est éduqué, qui est formé pour apporter d'autres oiseaux dans sa maison. Et alors quel est le problème? Veyesh ben gezel mi pneder kishalom. Et bien sûr, il ne va pas chercher uniquement les proies qui n'ont pas de propriétaire, mais plutôt celles qui appartiennent aux voisins. Veyesh ben gezel mi pneder kishalom. Il y a dans cela un interdit de gezel mi pneder kishalom. Que Chachamim ont instauré, Mipne Darkei Shalom, ça s'appelle pour... Chachamim ont élargi la notion de propriété en attribuant une propriété même aux choses qui n'étaient pas forcément, que l'on peut forcément posséder. Ça s'appelle Mipne Darkei Shalom. Velo Gezel Gamon, c'est pas du vrai Gezel de la Torah. On expliquera à la fin du Bartenora donc, quelle est la différence essentielle entre un Issour de la Torah ou un Issour de Rabbanan. Vesochre Juvit, ce qu'on dit commerce avec les fruits Juvit. Ils font du commerce avec les fruits de Juifs. La Torah, la Torah dit, la Shabbat aretz lachem le'ochla. Et la Torah nous a dit que la septième année sera pour vous une année où vous mangerez. Et pas pour en faire du commerce.
Rabbi Shimon Omer, Vechoulé. Alors il y a la longue histoire avec Rabbi Shimon, la phrase un peu bizarre de Rabbi Shimon, qu'au début on les appelait Osfejvit, et puis après ils ont dit non, on va les appeler Sukhrajvit. De quoi on parle exactement? Le Bartonan explique, Bagma Meferesh, Meta de Rabbi Shimon Achir. Dans l'agma on explique les paroles de Rabbi Shimon ainsi. Batechila Yokorinotam, Osfejvit. Au début on les appelait les Osfejvit, ceux qui récoltent les fruits de Juit. Klomar, Osfejvit, Lazman, Ayub Solin, les doutes. Ceux qui récoltaient tous les fruits de la Juit pour eux, était psulim laïdout. Kmosoharep et Roch Vit, au même titre que ceux qui font du commerce. Même si tu ne vas pas les vendre, même tous les récolter, tu n'as pas le droit. Misherabou a Anassin, mais depuis la période où il y a eu les gros bras du roi, Ashoalin menat ameler kar vekar korin dvoa vekoloshana veshana. Les taxes seigneuriales, je crois que c'est appelé comme ça, où ils venaient demander des sommes astronomiques aux pauvres paysans, de donner tant et tant de cours par an. Le cours, c'est une grande mesure. Au point où les gens n'avaient plus le choix que pour pouvoir payer sans se faire plumer ou se faire mettre en prison, et ils étaient obligés de partir cueillir ces fruits, tous les fruits de leur champ pour les donner au roi. Ils sont venus et ont changé le concept. Au lieu d'appeler les Osfejvit, ils se sont mis à les appeler les Sohareijvit, ceux qui font du commerce concrètement, mais pas ceux qui récoltent uniquement. Étant donné qu'ils ne récoltent pas pour le garder pour eux-mêmes. On a fini maintenant la Mishnah avec le Barthénora. Et maintenant, le Barthénora va nous proposer une petite synthèse ilchatique pour nous définir qui exactement sont les gens inaptes à témoigner et juger. Olinian Psak Alacha. Je vous annonce la couleur très rapidement. Le Barthénora va en première partie nous dire quels sont les Psule Edut Mideoraita, les gens qui sont inaptes à juger ou à témoigner par la Torah, ceux qui sont Psule Edut Miderabanan, d'ordre rabbinique uniquement. Ensuite, il va nous expliquer la différence entre celui qui transgresse, donc un interdit de la Torah, et celui qui transgresse un interdit Miderabanan. Il y aura une différence essentielle. Et puis, à la fin, le Barthénora va nous parler d'une troisième sorte, ceux qui sont uniquement, qui transgressent même pas d'interdit, mais qui ont un problème parce qu'ils ne sont pas Oskim Beishuvo Shalolam, les joueurs de dés, et chacun aura un statut un petit peu différent. Soit, je vous annonce un petit peu plus maintenant, ça ira plus vite pour lire la suite, ceux qui transgressent un interdit de la Torah sur lequel on est passible de mort, sur lequel on est passible de malkout, de flagellation, alors pour tout cela, ils s'appellent des rachats. Et la Torah, elle a dit Altachet Racha. Altachet Yadraim Racha Liot Et Ramas. Tu ne tendras pas ta main avec un rachat pour être un témoin. Oppresseur qui va faire sortir l'argent de rapine, un témoin de rapine. Donc on n'a pas le droit, en tout cas, concrètement, Attachet Racha Ed, Rami Fujon rapporte, il raccourcit cette phrase et dit Attachet Racha Ed, tu n'as pas le droit de mettre un témoin, Racha, mauvais, qui transgresse un interdit qui est un impie. Et donc on va déduire de là que tout celui qui transgresse un interdit de la Torah, où il y a marqué que ça s'appelle un Racha, soit quelqu'un qui est passible de mort, soit quelqu'un qui est passible de malkout, il sera Racha. Idem encore, autre groupe, celui qui va transgresser un interdit, où il y a ce qu'on appelle du chimoud mammon, où il y a un gain d'argent, puisque tu es capable de vendre ton olam haba pour un petit peu d'argent, tu prêtes ton argent avec un prêté, avec intérêt, tu t'amuses à voler, à déborder chez le voisin et lui ramasser des trucs, ouais, tu es quelqu'un qui n'est pas crédible, on ne peut pas te faire confiance, tu es pas soul la doute midoraita. Ensuite, le Barthénora va nous dire les psulim drabanan, ceux qui transgressent des interdits drabanan, comme on va les préciser, ils transgressent des interdits comme celui qui, par exemple, le mafricheyonim, celui qui va dérober les oiseaux des autres voisins, il transgresse un interdit de vol midrabanan. La différence essentielle sera que pour l'interdit de rabanan, il ne sera rachat que si on lui dit devant tout le monde qu'il transgresse un interdit et qu'il doit arrêter et qu'il continue. Tandis que pour un interdit de la Torah, c'est pas la peine de le faire dans tout le monde, dès qu'il y a deux témoins qui transgressent de manière fixe un interdit de la Torah, alors il sera un non valide. Et quant à ceux qui seront mesrek bekoubia, que leur seul problème c'est d'être oisif, alors, la face sera fixée comme Rabbi Yehuda, que c'est uniquement s'il n'y a pas de travail à côté. Et on fait à présent tout le Barthénora d'un coup. Olian Pesach Alacha, la décision finale. Kol Mishavar Averash Chayavela Amitat Bedin, tout celui qui a transgressé un interdit où il y a dedans une condamnation à mort, au karet, ou bien une condamnation à mort par le ciel, de retranchement, au malkout, ou encore un malkout de se faire frapper. Passons la Edout, il sera inapte à juger. Des Mouyav Mita Nikal Racha, car celui qui est passible de mort s'appelle un rachat, qui dit dirtiv, acharon rachalam, ou comme le pasouk le dit, c'est un rachat passible de mort. Au bechaïve malkout ktiv, vaïa minakon rachat. Idem pour les chaïve malkout,
les passibles de flagellation, où il y a écrit chez eux, Vayam Binakot Aracha, on l'appelle de nouveau Racha dans la Torah. Et alors quel est le problème de s'appeler un Racha? Bah, Torah Amra, Altachet, Yadcha, Imracha, Liot, Ed Hamas. Tu ne tendras pas ta main avec un Racha, un mauvais, un impie, pour être un témoin qui oppresse. Mais Darshinan, Altachet, Racha, Ed, tu n'as pas le droit de nommer un témoin Racha. Entre parenthèses, une remarque intéressante. Un psoul de Rabbanan, selon le même principe, qui est quelqu'un qui a appelé Racha, mais qui se rappelle qu'il sera rien de qu'un psoul de Rabbanan, celui qui frappe son copain. On n'a pas le droit de frapper dans la Torah. Et on s'appelle Racha. Racha la matakel racha, il a dit Moshe Rabbeinu dans Parashat Shmot. Ensuite, dans tous les cas où il est passible de mort, passible de flagellation, alors, Veim laka, Hazar l'Hershero, depuis le moment où il a été frappé au Bet Din, il a reçu ses 39 coups, il ressort de là-bas avec le dos bien cabossé, eh bien, il devient permis, il récupère maintenant son droit de juger. À la différence des autres interdits qu'on apprendra plus tard, la tchouba est plus compliquée. Pour celui-là, il a mangé du halouf devant tout le monde, il y avait deux témoins, il est devenu rachat. Une fois qu'on a frappé au badin, il ressort, même s'il a encore le halouf dans le ventre, eh ben, il pourra témoigner. D'accord? À la différence du voleur, le voleur devra restituer tout son argent comme on va le voir tout de suite. Vim lakar. Et d'où on apprend d'abord que celui qui a été frappé, dès qu'il sort du badin, il redevient apte à témoigner et juger. Vim lakar. Une fois qu'il a été frappé, Chazar l'Hershero, il est revenu, il a repris son statut de kasher, de bon juif. Dirtim venikla achicha le'enecha. Comme le pasuk nous dit, et ton frère aura été méprisé devant tes yeux, une fois que tu l'auras frappé. Kevan shelakar, alors qu'achicha. Depuis le moment, puisqu'il a été frappé, il redevient être ton frère. Le pasuk nous dit que ça redevient ton frère. Ton frère b'mitzvot. Veim lakach mamon shelokadin. Maintenant, autre cas de figure, celui transgressant un interdit de la Torah, hein, où il y a dedans du chimoud mamon. Il convoite de l'argent qui n'est pas kasher. Shelokadin. Afal pishenu chayav be lo mita ve lo malkut. Donc même s'il n'y a pas dedans, dans cet interdit de condamnation à mort, ni même de flagellation, malgré tout, pas sous la doute, il devient inapte à juger. Kegon, Ganav, Vegazlan ou Malvé Beruit. Par exemple, le voleur, le type de voleur, en cachette, en public, ou Malvé Beruit s'occuperait avec intérêt. Vim lakar, mamon, sheyesh boisur de Rabbanan. Maintenant, autre cas de figure, s'il a pris de l'argent qui avait dedans un interdit que Midrabanan. Passons la doute Midrabanan, il sera inapte à témoigner Midrabanan. Quelle est la différence, vous allez me dire, parce que de toute façon il ne peut pas ouvrir la bouche. On va le voir dans quelques secondes. Kegon Mafrichayonim, par exemple, c'est le cas des Mafrichayonim, ceux qui font voler les oiseaux. Selon la deuxième explication, où il va voler les oiseaux. Il fait envoler pour voler. Vechamsan de Yaïv de Mei, ou encore un autre cas de figure, et je suis étonné par le Barthénora, je vous expliquerai après pourquoi. Vechamsan de Yaïv de Mei, ou encore celui qui dépouille en payant. D'accord? Il a l'honnêteté de payer. Genre, donne-moi ta belle montre, mais prends 1000 shekels à la contrepartie. Genre, il la convoite, il la paye, et il la prend de force. Alors, il y a un interdit dans ça, mais le Barthénora dit que c'est un interdit que Midrabanan, et je suis étonné, parce que il y a marqué dans la Gemara, dans ma Messia, que c'est un interdit d'Oraita. C'est comme ça qu'on pense, c'est un interdit de l'Otach Mod. Bon, faudrait approfondir, peut-être que je me trompe, je sais pas. C'est une question. Vechamsan de Yaïv de Mei. Donc un khamsan. Khamsan, celui qui force à prendre un objet, à céder un objet, mais il arrive de mais il paye en contrepartie. Velokar khafet et qui prend l'objet, shana bayne rosim le mankhom, le propriétaire n'a pas envie de le vendre. Ou encore un autre cas de figure, va gabayne va morsin chez le krin latsman ou mekablet zdak, ou encore le, excusez-moi, celui qui est responsable sur les taxes, de récolter les taxes des impôts, les impôts et les taxes du roi, et bien sûr, 10 pour le roi, 2 dans la poche. Ou Mekablet Daka, Mina Ovede Kilogilulim, moi encore, un juif qui va prendre de la Daka d'un goy, Befaresia. Alors je sais pas si c'est d'un goy ou si c'est de la vraie Avodazara, j'ai pas eu le temps d'éclaircir la question, je viens de me la demander, mais j'ai pas envie de recommencer le chiffre à cause de ça, donc j'avance, je sais pas, je suppose qu'on, je sais pas. Ben Morsin, je crois que je l'ai vu, mais fait rouge. On parle que d'un goy. Mais Akoum, le pharisien. Les rois, pas un Bessinan. Comme ça, va pas dans le petit Israël. Donc, on parle donc quelqu'un qui reçoit de la tzedaka d'un goy. Il y a en cela apparemment un manque de moussard. Le pharisien, il le fait en public. Elo, Vechayot Sebaed, Psolim, Laïdout, Midrabanan. Ces gens-là, tous ces gens-là, ils sont Psolim, Laïdout, Midrabanan. D'accord? Toute la dernière série où il donne la contrepartie de l'argent, où il prend les impôts, mais en détourne un petit peu trop plus que ce qu'il faut, ou encore celui qui reçoit la zaka des goyim, tous ceux-là, ils sont sous les doutes Midrabanan. Alors, quel est le problème?
puisque ils ne sont psunim que mes rabbanan. Regardez comment ça se passe. Ve'enedutan betelat shechizu alehen ve'yforcemu otan. Ils ne deviennent psulim, inaptes à témoigner, uniquement si on est machriz alehem. On diffuse le problème devant tout le monde. Devant tout le monde, on dit c'est assourd de faire ce que tu fais. Ve'yforcemu otan. Et donc, on diffuse le problème et eux, ils s'entêtent à continuer. Aval psule dout shel Torah en tzrichin achraza. Par contre, ceux qui sont inaptes à juger ou à témoigner par la Torah n'ont pas besoin d'être prévenus en public de cette manière, de faire une achraza. Vechol apsulin le dout ben shel Torah ben shel divrehem. Tous ces gens inaptes à juger, qu'il s'agisse de gens inaptes par la Torah ou bien par interdit des Rabbanan, imnoda me inyanam shasu tshuva. Dès qu'on, de quelle manière maintenant ils pourront faire tshuva? Si on apprend une bonne rumeur sur eux, qu'ils ont fait tchouva, ils se sont repentis, ils ont ensuite rendu l'argent qu'ils ont pris de manière interdite. Et ce sont même une barrière supplémentaire, genre je ne m'approche plus du kiosque. Je ne vais plus voler. Il prend sur lui une barrière de manière à s'écarter encore plus de l'argent interdit. Je crois qu'il y a marqué sur ça dans la Gemara que, par exemple, s'il prêtait de l'argent avec intérêt, en théorie, on a le droit de prêter de l'argent avec intérêt à un goy. Lui s'est dit, même au goy, je ne vais plus le prêter. Alors là, il se met une barrière pour s'écarter encore plus du ribit. Alors là, Arielou, Chazro, Lercheval, ils seront parvenus à redevenir Kherim, excusez-moi. On met Sarkev et Koubia. Ceux qui jouent au dé, maintenant, c'est la dernière classe où il n'y a en cela aucun interdit. Afapishen bezegezel afilo midivrem. Il n'y a dedans aucun vol, même pas midirabanan. Hem psulim laidout, ils sont psulim laidout, ils sont inaptes à témoigner. Les fichés en mit askin beishuvo shalolam, car ils ne construisent pas, ils ne sont pas actifs dans la construction du monde. Ve en ben irat shamaim, mais ce sont des gens qui n'auront pas de crainte du ciel. Ve davka she'en lahem melacha ve'umanut elayi. On parle uniquement du cas où ils n'ont pas d'autre fonction de travail, d'occupation que cela. Que dirait Rabbi Yehuda, comme, excusez-moi, je suis fatigué aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, que dirait Rabbi Yehuda, comme les paroles de Rabbi Yehuda, ainsi est établi l'alakha, et matai chazaratan, dans ce cas-là, pour tous ces gens-là, ces joueurs de cartes, quand considérera-t-on qu'ils auront fait tshuva, depuis le moment où ils casseront leurs dés, ils devront prendre les dés et les broyer, ils prennent sur eux que même gratuitement, même pour rigoler, ils ne joueront plus jamais au 421. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.